Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver de retour en ce 25, jeudi 25 janvier 2024, 9h49 heure du Québec. On va parler du Canada encore une fois. On s'en va en élection bientôt. Et selon un dernier euh, sondage, selon euh, Angus Reid, qui date du 21 janvier 2024, donc c'est très récent, on prédit un total, total. Éclatement du Parti libéral du Canada aux prochaines élections. Selon la tendance, et je pense que la tendance, tu peux la palper, pour une fois, elle est vraiment réelle. Les Canadiens en ont déjeuné, dîné, soupé de l'agenda Trudeau, de l'agenda. Progressiste, appelle-le comme tu veux de l'agenda gauchistoïde, de l'agenda mondialiste, globaliste, qui veut en fait réduire à néant le système économique occidental qui a permis à la grande majorité de la population euh, du monde, même, même. Les pays communistes ont adopté le capitalisme d'une certaine façon. Et on veut réduire ça à zéro. On veut t'amener dans une misère, puis la misère est installée partout. Tu as vu, post-pandémique, ça a été peut-être ça le grand reset ça a été d'appauvrir tout le monde, en passant par les pays occidentaux. Et avec toutes sortes de politiques, tellement, tellement tellement émotionnelle, tellement divisive, et ça a été le propre de tous les gouvernements occidentaux dans les dernières années, pour faire passer l'agenda globaliste décidé par des gens non élus, le complexe industriel, parce que c'est lui qui mène le monde, associé au complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, et ultimement, naturellement, le complexe médiatique qui leur appartient pour faire avancer leur idéologie, pour endoctriner les gens. Parce que les médias traditionnels ont encore une grande influence sur l'ensemble de la population. Comme le disait Javier Mélier, le nouveau euh, président ou premier ministre, je pense, c'est président en Argentine, au dernier Forum économique mondial, on l'a invité, j'étais vraiment surpris. Il dit, moi, je ne veux pas éveiller le troupeau de moutons, je veux éveiller, éveiller les lions. Parce que tu ne peux pas éveiller un mouton. Et il y a un mouvement qui est en train de s'installer. Il y a 62 élections cette année. Dans 62 pays, près de 4 milliards d'individus qui s'en vont voter. Et l'élite, qui tu le vois en mode attaque, mode censure, on veut tout contrôler. On lance des appels aux plateformes hein, du côté des globalistes, mondialistes à Davos. On leur a lancé des appels. Contrôler, bannir, censurer tous ceux qui vont s'opposer avec une autre vision, une autre idéologie. La volonté du peuple, en fait. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Puis on le voit. Moi, je le vois. Toutes mes, 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 mes euh, publications sont vraiment en dessous de ce que j'avais comme moyenne. De vue depuis quelques temps, il y a plein de désabonnements. Les gens me disent qu'ils se font désabonner, désabonner, désabonner. Parce que si tu as un point de vue différent de celui qui est orchestré par le complexe industriel qui contrôle toutes les ressources naturelles, qui contrôle toute l'impression de l'argent, qui contrôle toutes les chaînes de distribution, les chaînes de transformation, qui exploitent toutes les populations mondiales et qui contrôlent tous les gouvernements, et c'est eux, les vrais patrons, on va t'écraser. Et là, tu as 62 élections, et déjà, ça a commencé dans plusieurs pays. En, à Taïwan, les gens n'ont pas eu peur, ont voté pour un gouvernement séparatiste. En Argentine, les gens n'ont pas eu peur, ont voté pour Javier Mélier. Et tu le vois, au Canada, les gens sont semblent, canadiens, semblent vraiment écœurés et vont voter pour Pierre Poilièvre, nonobstant le fait qu'il n'y a probablement pas grand-chose qui va changer, mais il y a des petites choses qui vont changer, mais c'est juste des gestes symboliques, dans le fond. Hein? Et euh, c'est ça que ça nous annonce, qu'il y a des grands changements qui s'en viennent. 2024 va être une année où il y aura beaucoup de bouleversements. Comment ça va se terminer? Probablement très mal. On voit, il y a des conflits partout. C'est une année qui va être plein de perturbations. Donc ici, à cause du gouvernement minoritaire qui est tenu en vie par les extrémistes globalistes, que ce soit le Parti Vert, que ce soit les néo-démocrates ou le bloc québécois qui sont dans le même bateau, globalistes, mondialistes, écolo-environnementalistes, alarmistes, tu peux tout mettre ça dans... C'est eux qui tiennent en vie, imaginez-vous, le gouvernement Trudeau qui, lui, naturellement, euh, embrasse totalement l'agenda euh, du Forum économique mondial, comme euh, le chef du bloc québécois, comme le chef du Parti non démocrate, comme le chef des Verts. Tous des gens qui vont donner des, les, des leçons de vie, puis des leçons de moralité. Et qui vont à chacun, à leur façon, as le présenter. Le bloc québécois va te présenter ça sous la forme du nationalisme, la langue, la langue. Mais ces gens-là sont totalitaires, globalistes, mondialistes, alarmistes, écolo-environnementalistes, veulent t'enlever ta voiture. Le chef du bloc veut t'enlever ta voiture. Le chef du bloc veut t'enlever ton mode de vie. Mais il met ça sous le couvert du nationalisme qui, étonnamment, je comprends pas qu'un. Gars comme Justin Trudeau, qui joue la carte de l'inclusion totale, s'associe à un nazi. Parce que, dans le fond, si ce n'était pas pour le soutenir et le tenir en vie, et il marche sur des œufs à cause de ça, il serait le premier à attaquer le chef du bloc avec son programme d'indépendance, puis de nationalisme et d'imposition de, de la loi française par des lois, par des mesures, presque de lois de mesures de guerre se ferait traiter de nazi probablement, de raciste, de xénophobe, mais là il ne le fait pas parce qu'ils sont dans le même agenda globaliste et mondialiste. Et c'est un gars comme euh, le chef du bloc québécois que Justin Trudeau reste en vie. Je ne comprends pas les Québécois qui, encore une fois, se font avoir avec la langue, la langue, l'émotivité. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc selon ce nouveau sondage, ben, ça va être un effondrement total pour les libéraux de Justin Trudeau. L'élection peut se tenir même en 2025. Le gouvernement tient un seul fil, mais le gouvernement tient en vie par ces trois individus-là. Le chef du bloc, globaliste mondialiste, tu pourrais le qualifier si ce n'était pas de son globalisme et de son mondialisme et de son adhésion. À l'agenda vert, à l'agenda LGBTQ, puis tout le reste, il se ferait traiter de fasciste, raciste, xénophobe. Mais là, parce qu'il embrasse tout le reste, ça passe. Le chef du, Néo, du parti néo-démocrate, complètement dans la frange des extrémistes de gauche, encore là, se fait. Légitimisé par les médias parce que, naturellement, il embrasse tout l'agenda LGBTQ, l'agenda vert, l'agenda ceci, l'agenda cela. Et même chose pour cette lunatique du Parti vert. Mais les Canadiens en ont soupé, dîné et déjeuné de tout ce monde-là. Mais malheureusement, quand je regarde que ça prédit que le bloc pourrait avoir encore 41 sièges au Québec, waouh! Ce pas demain la veille que les Québécois vont changer. Et vont se réveiller. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu joues avec l'émotivité, c'est ça qui arrive. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Mais jusqu'en 2025, qu'on endurer ça, parce que je ne vois pas comment ces trois parties là pourraient renverser Trudeau. Parce qu'ils sont tous main dans la main, à vouloir nous contrôler, nous dire comment vivre.